Eh bien, nous allons continuer à balancer mon con nous. On va rappeler que pour les gens qui sont rentrés et allés à l'aller, que c'est à vieux habitants que nous y sommes. Et là, nous avons un moment stand côté site là. Depuis chaque année, nous avons fait ça. Nous sommes responsables. Organisation là qui peut dire nous yon des mots. Bien bonjour. Oui, bien bonjour, monsieur Timalon. Bien bonjour, la Guadeloupe. Moi, c'est Esther Jérémy Ambresse. On est trésorière fondatrice à l'association Alternative 119. C'est moi qui Québec, là. Oui, voilà, c'est moi qui Québec, là. Voilà. Est-ce que nous, travail là, organisation là, qui nous ont mis en place ça pour ça, c'est chaque année qu'ils ont fait ça et ils ont frappé toutes portes pour voir si ils ont besoin de conscience? Alors, chaque année, depuis 14 ans, nous avons fait manifestation là, ça, pour nous mettre en valeur tout artisan guadeloupéen, tout artisan guadeloupéen et puis des dépendances aussi, pour voir ça qu'il a fait, ça qu'il a fait, puis il avait mis à yo, et puis pour montrer que guadeloupéen nous travaillons. Donc, vous choisissez moi là, ça, mois de mai, pourquoi? Alors, nous choisissons mois de mai parce que mois de mai, c'est période à moi, à fête à commune à nos vieux habitants, bien sûr, et nous toujours qu'à faire, soit premier dimanche du mois de mai, deuxième ou troisième, mais toujours au mois de mai, nous qu'à faire manifestation là. En avant les artisans. Les artisans guadeloupéens, les artisans de dépendance en nous. Tout bon, quel que soit artisan là, ou pas besoin et ni numéro sirette, ou nous qu'à faire, c'est pour mettre en valeur ça nous qu'à faire et d'aimer en nous. Dans un déposer projet là, quand ils répondent présent tout de suite, tout le monde est content dans ça. La commune, c'est quoi? Alors, nous commençons tout petit. Nous commençons avec 10 artisans et c'est vrai que la commune toujours aide nous pour mettre à disposition pour nos chimères là. Mais au point de vue logistique, la plupart du temps, c'est les collectivités territoriales qu'ont la région Guadeloupe et le conseil départemental qui a aidé nous dans ces chapitres. Vous pensez que ça t'est pris? Si, nous, de toute façon, quel que soit ça nous a fait, nous n'y habitons, nous n'y confiance. De toute façon, nous sommes madame, nous sommes 5 et nous sommes 5 madame, mais nous n'y confiance. 5 femmes à l'entour. 5 femmes à l'entour, ça va pas plus, ça. Dans le conseil d'administration, là, 5 madame qui a mené. Au sérieux, avec bénévoles qui derrière nous, qui a poussé nous. Voilà. Vous pouvez regarder dans ce stand-là, au niveau de. Je dis là, nous avons 10 bénévoles. Levez bonnet et couchez tard. L'emploi dormi, hein, depuis hier, en 10 bouts. En 10 bouts, depuis hier matin à 8h. Bon, on mettait toutes ces émités à ces artisans-là dans la nuit et encore, on l'a toujours. Oui, tout ce monde là qui l'a là, il a payé si il habite à yo, il a payé communication là, tout bitin là. Tout bitin nous bien fait dans les règles. Et tout le monde content, tout artisan content. C'est de qui l'est à qui l'est alors? Alors, c'est pour y arrêter. 17h30. Ouais. Nous allons emballer à 17h30. D'accord. Après 17h30, ni amende? Non, pas ni amende, attends, nous en Guadeloupe. Pas ni amende. Nous avons averti à 17h que la manifestation là qui prend fin. Et au sein ici, ça a fait des années, tout le monde déjà connaît tant que ça a fait. C'est considéré nous avons une famille à artisans, famille à Guadeloupéens. Et nous sommes solidaires entre nous, et puisque nous, c'est solidarité nous avons fait auprès de ces artisans-là. Vous pouvez faire connaître la commune là aussi. Oui, faire connaître la commune là, puisque de toute façon, les habitants sont en commune qui est très développée qu'on est là économiquement. Et il faut nous faire connaître la commune en nous, il faut nous faire monter la commune en nous, et il faut nous faire monter l'association en nous aussi. Dernière question, moi j'ai pas échangé date là. Mais date là, quand je change en jour, mais c'est nous qui restons au mois de mai. Nous restons au mois de mai. Au mois de mai. Merci en pile. Mais pas de problème, merci Guadeloupe, nous qui attendons notre job là. Très bien, nous allons continuer à balancer le micro. Vous savez que l'émission là, vous regardez là, là, il y a un diffusé à TV, ça a mon dit, c'est vrai, ça a mon dit, et sponsorisé par Objectif Hygiène. Voilà, Objectif Hygiène, c'est pas à Portail qu'ils ont là, qu'ils ont tout ça qui a passé, et nous, en casa Objectif Hygiène aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous là? Ben nous, là, nous, quoi, chez nous, bien. Vous l'avez apporté, mon œuvre? Tout à fait. Qui nous a où? Eddie Babel. Eddie Babel, c'est mon côté ici? Ah, c'est mon habitant, oui. Les habitants, voilà. Donc, les habitants, bien. Tout à fait. C'est là, l'on peut regrouper, c'est là, été. Ça, je veux dire. Tout à fait, ok. Donc, vous l'avez en l'instant là, là, donc, vous inscrivez de façon pour présenter ça, quoi faire. Exactement. Donc moi, on a écrit au son maquet. On son chanteur aussi. Ah ouais? Oui. On a chanté gospel. Voilà, musique spirituelle. Et on a maqué aussi tout ça qui a touché nous directement. Donc qui a touché le vivant en fin de compte. Le vivant. Voilà, donc c'est autour de l'alimentation, la biodiversité, la nature, la santé, le bien-être. Et on a écrit un livre phare, Noaï, c'est le fruit à pain dans tous ses états. Donc, fruits à pain, qu'à gaspiller en quantité aussi. Exactement, c'est ça. C'est ça, famille, nous, tu as dit avant. Oui, oui. Et souvent aussi, tu as dit que fruits à pain, c'est manger à cochon. Tout à fait. Et nous rendons compte que nous, tu as dit à cochon, la caviar. Donc, ce qui fait que petit à petit, nous allons retourner vers les bons aliments, en fin de compte, ça veut dire. Et fruits à pain, pas ni plus sain. Manger ça quand même. Tout à fait. Bien sûr. Pas ni légumes.
plus sain qui fouille à peine. Parce que vous pas mettre un grain pied à fouille à peine là. Vous pas cabaye traitement, vous pas cabaye rien. Donc c'est un produit qui sain. Et alors, le livre là qui explique comment préparer, c'est ça? Voilà, nous qui explique comment préparer fouille à peine là. Donc vous pouvez préparer blé, vous pouvez préparer les mati, les mi, et vous pouvez faire l'ose à faire fouille à peine. Tous. Comment j'ai les mi? Comment j'ai les mi? Ah ouais. Oui, tout à fait. Voilà, comment j'ai les mi? Vous avez rien avec, comment j'ai les mi? Puis c'est moi levé à dans ça. Ouais. D'accord. Vous levez ça aussi? Oui, c'est bon parce que là, on petit à pâté quand j'ai fouillé à peine du tout. On pâté aimé ça. On pâté aimé ça et après, on j'ai fouillé à peine là. Mais quand il a quand j'ai fouillé à peine, moi, tranquillement. Quand il a passé, quand il a vendu plus là, est-ce que j'ai commencé à vendre? Est-ce que j'ai commencé à fouillé à peine là? C'est fouillé à peine là. Tout à fait, c'est farine aussi. Farine de tubercule. Parce que nous, quand fait gâteau, nous, quand fait pain, nous, quand j'ai pain tous les jours. Et pourtant, nous, pas qu'à planter blé ici. Et nous ni justement. Regardez la boîte. Regardez, regardez, oui. Répétez encore. Alors, tu as dit que nous avons mangé pain tous les jours et nous n'avons pas cultiver blé en Guadeloupe. Voilà, voilà. Et nous ni en jardin, nous ni des tubercules. Et avec tubercules là, nous pouvons fabriquer farine. Et avec farine là, on peut faire pain. On peut mettre plus solide. Exactement. On peut faire pain, on peut faire gâteau, on peut faire tout ça, on peut lever. Moi, je suis vieux habitant. On peut plutôt dire que moi, je suis assis à la Guadeloupe, parce que je suis assis à la Guadeloupe, pour faire public la découverte que nous avons une biodiversité qui est très riche, et que nous n'avons pas rien à envier à tout ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Et permanence à Olari, là. Voilà. Ouais, ouais. On peut trouver n'importe côté. Voilà, voilà. Qui est Olari, vous pouvez aller où? Ben, vous pouvez aller au 06 90 34 77 47, et on site internet aussi, movetropical.com. Très bien. Ok, bon vente, bon courage, Québec solide, puisque là, si c'est pour nous montrer, avec tout seul, nous allons faire toute l'émission. Là. Merci quand même. Merci à vous. Pensez plus courage. Québec fort. Merci. Nous allons rappeler nos vieux habitants et en vrai, que madame qui a préparé cassave. Oui, alors nous avons fait cassave. Nous avons fait. Alors, nous avons fait une sucrée salée, nous allons visiter une traditionnelle, la coco. Et puis, nous avons poulet fumé, agneau fumé, crevettes, et voilà. Et nous avons fait cocola et pâte de goyave, et nous avons mélangé sucré salé aussi. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez préparé ça, c'est vous qui avez travaillé à ça, ou bien vous travaillez pour un patron? Non, on a travaillé pour moi-même. Production même. Voilà. Mm-hmm. Et on a fait d'autres producteurs comme moi-même, vendre. Et parce que et manioc là c'est un artisan qui a ben moi et puis ces farces là c'est moi même qui a fait. Ça va bien? Oui, ça va en sortir. Oui, ça caille. Nous avons fait différents événements, nous aussi marché beauté. Est-ce que c'est première exposition? Voilà, non, pas non. Première exposition. Première fois si vieux habitants mais nous d'autre côté. OK, d'accord. Là présenter tout le monde qui a couru qui a cherché là où il est. Voilà. C'était tes droites. Voilà, tes droites justement. Est-ce que l'on mange yoni plein ventre? Oui, il ca rempli ventre mais pas trop. Pas trop. Voilà. Ouais. Donc pas ba moun envie de vinn côté ici. Voilà, vinn côté ici la vieux habitant, la rue de l'artisanat. Qui j'en veux ça que ça existe là. Ben ça association hein et nous déjà connaître nous et nous téléphoner yo pour savoir qui genre sa cafette. Alors rappelez-nous nos associations entre établissements. Alors non là c'est Manioca. Manioca. Voilà, Manioca. Et vous pouvez retrouver nous tous les vendredis dès 15h à 21h au marché du Gosier. Ah ouais, au Gosier. Voilà. Et nous cafés et événements, traiteurs. Donc vous pouvez abonner à la page Manioca Cassav sur Instagram. Et suivez-nous. Voilà. Alors voilà, regardez le monde qui dit nous qu'il paye pas l'or. Merci, ok. Merci, merci. D'accord, ok. Nous allons continuer à balancer le micro. Ok, d'accord. Alors, nous parlons des objectifs hygiène, développement. Quand disons que les missionnaires ont regardé là, ben, c'est par rapport à ce que nous avons fait manœuvre. Et nous descendons à Vieux Habitants. Nous voyons qui est là, c'est M. Limet, responsable de la commune, qui a dirigé la commune de Vieux Habitants. En pensant qu'il a porté bien, M. Limet. Il tourne bien à faire. Nous avons porté manœuvre pour faire, pour qu'il porte bien. Il y avait mon lien entour moi, mais ben, Henri, là, une autre entreprise, en fait en sorte, même si il y aura des habitants, développement économique, ce n'est pas en commune, c'est l'agglo, c'est la région, en fait en sorte, dans la commune, dans notre service de développement économique, c'est mon qui travaille avec toute association, toute entreprise qui voulait porter mon œuvre pour la commune. Parce que ce qui est important, c'est que moi, plus qu'il y a une entreprise, plus qu'il y a une association qui embauche des jeunes, en insertion, qui a failli monter en compétences. Ouais. Moins ça a une difficulté en commune. Premièrement, pour le problème de la violence, de travail.
Il n'y a pas de la violence. Et deuxièmement, là, on est en permanence. On n'a pas de logène. Parce que c'est une souffrance. Là, quand on dit en permanence, on est quoi, ça va 20 personnes. On est 10 personnes qui ont demandé au travail. Et la mairie, là, ne peut pas aboucher tout le monde. Et 10 personnes, là, non. Au bien dire non. Mais c'est une souffrance en même temps. Parce que quand on vous compte qu'il y a des. Souvent, c'est des madames. C'est des mamans d'enfants qui voulaient gagner vie à eux, qui sont dignes, qui sont fiers.